nouvelle année, donc je suis accompagnée de Laure, moi c'est Dorothée. Donc tout nos vœux de bonheur hein, pour cette nouvelle année, prenez soin de vous, hein, bonne résolution, on commence par faire le pack bien-être, hein, c'est ce qu'on va vous offrir hein, pour cette nouvelle année, notre petit cadeau. Vous aurez aussi le pack boule graisse, si vous avez trop abusé pendant les fêtes, hein, que va vous préparer nos collègues, Audrey, Steven et Valérie. Et n'oubliez pas aussi les lives avec Freddy tous les samedis matin, c'est nouveau. Donc inscrivez-vous sur la page privée de Facebook de l'Éden. Voilà, on va s'installer sur le dos pour commencer. Vous faites attention à ne pas vous faire mal, hein, surtout si vous n'avez pas eu d'activité depuis longtemps. Donc les pieds à la largeur des hanches, hein, je rappelle les consignes et les références. Le bassin en neutre, vous commencez par faire des petites bascules en lentée et en rétroversion. Donc écrasez le bas du dos en serrant les fesses, engagez le centre, hein, on reprend contact avec le périnée, le transverse en avalant le nombril. Voilà, une fois que vous l'avez fait plusieurs fois, vous relâchez pour trouver votre position neutre. Si vous avez mal au dos en ce début d'année, pas de bol, écrasez les lombaires dans le sol. Okay, les épaules sont loin des oreilles. On va commencer par faire la respiration latérale thoracique. On pose les mains sur les côtes. Donc on inspire, on gonfle la poitrine. Et on expire par la bouche en engageant périnée et ventre. Allez, faites du bruit. Inspirez, gonflez la poitrine, les poumons, soufflez par la bouche. Encore. Une dernière fois. Très bien, on essaye de maintenir le centre, on pose les bras le long du corps. Donc en inspirant, on va monter les deux bras à la verticale, les mains au-dessus des épaules. On inspire. En soufflant, on ramène le bras droit vers l'arrière, le bras gauche près, enfin la main gauche près du bassin, sans toucher le sol. On inspire, on remonte. Et en expirant, on change de bras. Inspirez. Soufflez. Gardez bien les épaules basses et les omoplates collées au sol. Encore une fois de chaque côté, on inspire et on souffle les bras bien allongés jusqu'au bout des doigts. Et on revient au centre, les bras à la verticale, on inspire. On expire, on tire les deux bras en même temps vers l'arrière de chaque côté des joues. Et on ouvre sur les côtés à l'inspiration, on dessine deux demi-cercles. Et on revient à la verticale. Encore, on souffle. On n'oublie pas d'engager le centre. Et on inspire, on gonfle les poumons. Allez, encore une fois, soufflez. Inspirez. Et à la fin de votre cycle, reposez les bras au sol. On inspire sur place. À l'expiration, on lève la jambe droite en chaise renversée. On inspire sur place et à l'expiration, on lève la jambe gauche. On reste ici quelques respirations thoraciques. Inspirez. Expirez. Inspirez. Soufflez par la bouche. Faites attention à ce que votre chaise soit bien propre. Hein. Vous pouvez poser vos mains sur les genoux. Les bras doivent être tendus. Ah, vous pouvez lever la tête hein, pour que vous recorrigez. Tous les pieds ne sont pas plus bas que les genoux ni plus haut, hein. Ok, bien parallèle au sol. Encore une fois, on inspire, on expire sur place, inspirez, posez le pied droit à l'expiration, inspirez, posez le pied gauche à l'expiration. Juste pour finir, un petit shoulder bridge hein, pour finir l'échauffement. Inspirez sur place, à l'expiration, rétroversion du bassin, on engage le périnée, les fessiers, le ventre, on lève le bassin en soufflant, on inspire, on expire sur place, reste un petit peu sur place, en statique, sentez bien vos appuis dans le sol, hein, c'est important qu'il dilate.
Allez, faites bien avaler le long et faites glisser les viscères vers les côtes, vers le diaphragme. Encore une fois. Très bien, on inspire sur place. Et à l'expiration, vous déposez la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Posez bien le bas du dos. Et relâche. Ok, on va basculer sur le côté. On prend appui avec ses deux mains. Et on va venir s'installer à quatre pattes. Donc pour tout le monde, hein, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On va commencer avec le swing. Donc on retrouve la position neutre du bassin. Sentez bien vos appuis, engagez le centre. On inspire sur place. Et en soufflant, on allonge le bras droit, jambe gauche. Et on décolle. Et on tire jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. On inspire, on glisse la main, le genou au sol. On revient en position de base. Et on change de côté. On expire. On lève bras gauche, jambe droite. Engagez le centre. Souriez. On inspire. Et on expire, on change. On étire. Inspirez, posez. Main droite, genou gauche. Et soufflez. Essayez de bien maintenir la tête en prolongeant du buste. Relâchez pas la tête vers le sol. Alors, encore une fois de chaque côté. Soufflez, on étire. Inspirez. Encore, je bras gauche, jambe droite, c'est pas de bêtises. Et on repose. Ok, on va enchaîner avec le leg pull propre. Vous allez tout le long, vous allez allonger la jambe droite, tirez bien la jambe droite le plus loin possible, puis la jambe gauche. Les débutants de cette position, vous posez juste les genoux au sol. Voilà, attention, le bassin ne doit pas être au-dessus des fesses. Hein. Et les intermédiaires, on garde les jambes tendues. Allez, on maintient la posture, on inspire. Et on expire. Allez, engagez bien le centre. Le pubis en direction du tapis. Poussez bien sous vos mains pour stabiliser le buste, ouvrir l'espace entre les omoplates. Et ne lâchez pas la tête. Allez, encore une fois. Inspirez, expirez. Très bien. Prochaine inspiration, on ramène genou droit, genou gauche pour revenir dans un 4 pattes. On refait une fois de swing. Donc oui, si vous avez mal au poignet, n'hésitez pas à faire des petits plis avec le tapis ou à vous mettre sur les poings comme avait fait l'offre. Hein. Si vous avez les poignets sensibles, dans le leg pull propre, mettez-vous sur les avant-bras. Hein, ce serait plus à l'aise. Allez, on y va, on inspire. On expire, on allonge bras droit, jambe gauche. On étire, on engage le centre. On inspire, on repose au sol. On expire, jambe droite et bras gauche. Allez, sentez bien vos appuis dans le sol. Inspirez, soufflez, engagez le centre. Inspirez, expirez, bras gauche. On étire. On essaie de libérer les articulations. Encore une fois de chaque côté, on inspire. Et on expire. Allez, dernière, inspirez. Expirez. Et on repose, on inspire. On allonge jambe droite, on allonge jambe gauche. On passe sur les genoux pour les débutants. Et c'est parti. Inspirez. Soufflez, engagez le centre. Allez, on essaye de ramener les viscères près de la colonne vertébrale. Allez, soufflez bien par la bouche. Une dernière fois, on inspire. Et on expire. Ok, on pose les genoux au sol, si ce n'est pas le cas. Et tout doucement, on pose le ventre, la poitrine sur le tapis. Donc pour les débutants, vous posez les mains l'une sur l'autre, le front sur les deux mains. Pour les intermédiaires, vous allez allonger les bras, les pouces vers le haut. Donc pour tout le monde, les épaules sont loin des oreilles. On engage le centre, le pubis dans le tapis. On continue à
place. Et en soufflant les bras, droit, jambe gauche, sans chercher la hauteur, hein, on cherche la longueur. Donc les débutants, que les jambes, on inspire, on pose, et on expire, on change. On alterne. Allez, vous ne pouvez pas sentir de tension dans le bas du dos. Donc à chaque fois que vous levez la jambe et le bras, vous avalez le nombril, vous l'absorbez. D'accord ? Allez, on souffle en même temps, on inspire, on descend bas. Souffle en même temps. Tirez, 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 juste pour vous désinterrer. Inspire. Encore un petit peu, on souffle. Gardez bien l'appui du pubis dans le sol. Alors, on tire, on tire, on tire. On sent le travail des fessiers. Travail du dos en plus hein, pour le niveau intermédiaire. Chaise.
en deux séries, on inspire et on souffle par la bouche. Inspirez, soufflez. Allez, dernière fois droite, une dernière fois gauche. Ok, on repose d'abord la tête, puis on pose délicatement un pied après l'autre sur le tapis. Ok, on va basculer sur le côté pour finir cette petite séance. On va faire un rolling like a ball, rouler comme un ballon. Alors, on va venir s'installer hein, le bassin en rétroversion, en appui hein, sur le haut des fesses. On va décoller un pied après l'autre. Donc on colle les pieds, mais on ne colle pas les genoux. On garde les genoux à la largeur des hanches. Et on va venir souder les mains hein, de chaque côté des jambes. Mais pour les intermédiaires, vous pouvez garder les mains dans le vide. Allez, on regarde son nombril, on inspire, on roule. Et on expire, on remonte. Sans toucher la tête, sans toucher les pieds. Et avec le sourire, inspirez, soufflez. Alors engagez bien le centre. Toujours le regard vers le ventre. Allez, encore un petit peu. Encore deux répétitions. Une petite dernière. Ok. Et on relâche. Très bien. Posez vos mains. Allongez un petit peu les jambes. Soufflez. Ok. Très, très bien. Alors, on finit avec un petit peu d'étirement. Justement, gardez les jambes allongées. On va étirer un petit peu la main de cuisse, on prend une inspiration, on tire les mains vers le plafond à l'expiration, on relâche en avant sans forcer. Si vous n'arrivez pas à attraper vos pieds, c'est pas grave. Allez, quelques respirations, tranquille. Et on déroule tout doucement. On va passer la jambe droite par-dessus la jambe gauche. La main droite derrière les fesses, on pivote comme une petite torsion, le dos bien droit. Pointe de pied flex hein, pour la jambe gauche, la jambe de terre. On met bien le genou vers la poitrine. Et on relâche, on fait la même chose avec la jambe gauche. Main gauche derrière les fesses, on se branle. Et on pivote. Super, on relâche, on va se placer à genoux. On va poser les deux mains derrière les pieds. On écarte un petit peu les genoux si besoin. Et on va monter le bassin pour étirer un petit peu là, les cuisses. Ouvrir le ventre, ouvrir la poitrine, les épaules. On sourit, le visage détendu. On est content de reprendre le sport. Voilà, et on relâche, on repose les fesses sur les talons. Voilà, très bien. Cette petite séance est terminée. Il n'y a pas d'excuse, hein, ça dure 20 minutes. N'hésitez pas à alterner avec la séance de l'or, si vous voulez. Hein. Avec les autres séances aussi qu'on a faites l'année dernière, hein, d'accord, en novembre et en décembre. Voilà, on vous embrasse très fort, à très bientôt, bye bye.